Bullseye. Et salut tout le monde, c'est FBI. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Donc là je fais un petit glitch sur GTA 5 Online parce que ces derniers temps j'avais fait pas mal de glitch sur BO2, donc on va un peu changer. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir BMX balisé. Donc comme moi dans la vidéo, regardez, il a l'emplacement d'un véhicule, donc d'une voiture. Normalement le BMX se trouve ici, regardez. Voilà, il se trouve ici là. Donc ça vous permettra d'avoir 3 BMX, d'avoir un BMX balisé, donc vous pourrez l'appeler avec votre mécano, ça c'est vraiment cool. Vous ne serez pas obligé de retourner dans votre garage pour aller le chercher comme les autres BMX en temps normal. Et donc vous pourrez l'appeler avec la mutuelle morse. Et très important, vous pourrez mettre la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai mis ma couleur de croix, après vous c'est comme vous voulez. Donc on va commencer tout de suite par le glitch. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là vous avez une petite course qui est dans votre garage. Donc vous devez la télécharger, le lien se trouvera dans la description. Donc une fois que vous avez téléchargé cette activité, vous allez la lancer. Mais juste avant, j'ai oublié de vous dire, dans votre garage, il vous faudra un véhicule que vous ne voulez pas donc que vous allez remplacer par le BMX. Donc moi, je vous conseille un véhicule pas très cher. Donc genre un Karine Rebelle qui coûte 3000 ou une voiture de PNJ qu'on trouve dans la rue. Donc là, vous allez lancer votre activité une fois cela fait. Excusez-moi au passage pour ma voix, j'ai un peu perdu ma voix, donc voilà, excusez-moi. Voilà, donc vous rentrez dans le rond de l'activité qui se trouve dans votre garage. Et vous attendez que l'activité se lance. Je voudrais aussi vraiment vous remercier pour les 150 abos, ça me fait vraiment super plaisir. C'est vraiment énorme, on a monté en pas beaucoup de temps là et vraiment un grand merci à vous. Donc voilà, une fois que vous êtes dans le glitch, donc dans l'activité, vous allez mettre la catégorie vélo. Après vous touchez à rien, c'est juste vous mettez vélo et vous lancez la course. Voilà. Donc la course vous devez la faire en solo. Voilà. Donc là, une fois que vous avez lancé la course, vous allez choisir votre véhicule. Donc vous allez prendre un BMX ou alors un autre vélo, j'ai oublié de vous dire... Vous pouvez pas prendre que le BMX, vous pouvez aussi prendre un autre vélo. Donc moi je vais prendre le BMX, après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre ma couleur de crew. Voilà, donc après vous pouvez lancer. Voilà, vous lancez la course. Voilà, vous allez apparaître dans votre garage avec le vélo un peu en hauteur. Donc là c'est normal. Vous n'allez surtout pas avancer avec votre vélo, sinon ça va faire un petit bug. Moi ça me l'a déjà fait, je vous déconseille. Voilà, donc là... Vous descendez de votre vélo, vous n'avancez pas. Vous allez voir que vous allez être un petit peu à hauteur. Donc là, vous allez choisir le véhicule que vous voulez remplacer par le vélo. Pour ma part, lequel je vais prendre? Je vais prendre la Felzer. Donc moi, j'ai pris un véhicule qui coûte un petit peu cher. Mais comme j'ai 500 millions et puis que je peux avoir de l'argent comme je veux, je m'en fous un petit peu. Mais vous, je vous déconseille vraiment de faire ça si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Prenez un véhicule qui coûte pas très cher, voilà. Donc là, c'est là que le glitch va se faire. Vous allez maintenir triangle pour réapparaître. Et au dernier moment, vous allez accélérer juste avant que la barre soit au max. Donc là, je le fais. Hop. Donc là, j'ai accéléré. Donc là, normalement, la porte du garage va s'ouvrir. Voilà. Donc là, vous allez apparaître devant votre garage avec votre vélo. Vous n'allez pas pouvoir bouger au début, c'est normal. Et voilà, vous allez vous taper un peu partout. Et là, vous pourrez bouger. Regardez, là, je peux bouger, je peux sauter, je peux faire tout ce que je veux. Donc là, vous allez quitter la course. Voilà, et donc là vous avez bien réussi le glitch. Si vous êtes apparu avec votre vélo devant le garage, le glitch aura bien fonctionné. Donc vous aurez le véhicule dans votre garage, donc le BMX sera à l'emplacement de votre voiture que vous avez remplacé. Et vous pourrez l'appeler chez la mutuelle morse s'il est détruit et tout ça. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre votre couleur de crew, vous pouvez prendre du noir, du blanc, tout ce que vous voulez. La couleur c'est comme vous voulez. Donc voilà, là vous allez apparaître dans la rue. Vous allez voir que votre BMX se trouve ici. Donc voilà, et regardez sur ma mini-carte, je sais pas si vous voyez bien. Si on voit un petit peu, on voit l'emplacement, enfin on voit le petit icône vélo. Donc je vais vous montrer qu'il va bien être dans mon garage et qu'il va être assuré par la mutuelle morse. Donc on va appeler la mutuelle, je l'ai pas encore détruit, c'est normal. Voilà. Donc là j'appelle la mutuelle pour bien vous montrer que j'avais pas déjà un BMX qui était cassé. Donc regardez,
voilà, tous les agents de la mutuelle morse, machin, machin. Ça, ça veut dire que vous n'avez aucun véhicule qui est détruit. Maintenant, on va détruire le BMX. Voilà, boum. Là, on rappelle la mutuelle. Et vous allez voir que mon BMX va être chez la mutuelle parce qu'il est détruit. Voilà, regardez, là vous voyez, ben vous voyez pas écrit BMX parce qu'on voit pas tout l'écran, désolé. Mais là, hop, je rachète mon BMX, enfin je le paye parce que c'est moi qui l'ai détruit, ça coûte 12$, c'est pas cher. Donc là, on va juste attendre que la police parte un peu. Juste pour rentrer dans mon garage. J'attends un petit peu. Je vais carrément appeler Lester parce que... Ah bah c'est bon. Voilà, donc là, je vais rentrer dans mon garage. Donc vous allez voir que j'ai deux BMX de la même couleur. Ça c'est normal parce que j'ai fait deux fois le glitch. Vous n'en aurez qu'un, mais après ce glitch, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Donc ça c'est celui qui était au début de la vidéo. Et ça c'est celui qu'on a remplacé. Ah, ah excusez-moi, il est pas là. C'est normal, c'est parce que je l'ai pas... Je l'ai appelé sur la mutuelle morse et du coup il est au dépôt de la mutuelle morse. Donc on va pas aller le chercher. On va faire un petit bug pour qu'il revienne dans le garage très rapidement. Donc je vais sortir avec mon autre BMX et je vais re-rentrer. Voilà. Et là mon BMX sera à l'emplacement que ma Felder avait avant. Donc que j'ai remplacé. Regardez, voilà. Donc le BMX est juste ici. Donc ça c'est celui qu'on a fait pendant la vidéo. Et moi j'avais celui-là juste avant. Donc voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, bye.